Bonsoir à tous, Bouge la France, nouvelle formule avec un programme très copieux ce soir. Les États-Unis réagissent face à la crise financière. Explication de Jean-Louis Gombeau. Alda Pereira Lemaître, la nouvelle maire de Noisy-le-Sec, PS, en a contre la cantine qui est gratuite. Elle va nous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, Denis Jambard, lui, tentera de nous expliquer les mécanismes qui fait que le président de la République reprend des couleurs dans les sondages. Le débat central ce soir, c'est sur le rapport Attali. Faut-il l'appliquer, ce rapport Attali, pour répondre Hervé Mariton pour l'UMP, Nicole Bricq pour le PS et Jacques Delplat, qui est membre de cette commission à Attali et économiste. Ils se sont réunis tout à l'heure. On parlera évidemment de cette ignoble banderole que vous avez vue dans les tribunes du Stade de France samedi soir à l'occasion de la Coupe de la Ligue. Est-ce que le racisme provoqué par le football n'est-il pas inhérent justement à ce football? Est-ce qu'il y a vraiment un gardien de but, un gardien pour organiser ce football? Est-ce que c'est ça qui ne va pas? Bruno Derrien, ancien arbitre, pourrait répondre, et Christophe Caresch, député PS de Paris. L'Arche de Zoé, ensuite, ils sont libérés les uns après les autres. On en est à trois ce soir. Le dernier en date, c'est le médecin. Mais justement, son avocat, Françoise Davidot, sera présente sur ce plateau pour nous dire quelle plaidoirie elle entend donner à la suite, justement, parce que maintenant, on va parler du côté français. Et puis, dernier coup de fil, Roberto Alvarez, le directeur de la rédaction de France Soir, une nouvelle formule à prévoir, il nous l'expliquera. Voilà, bonne soirée, Saverio Rojec pour le journal. Bonsoir, on commence ce journal avec la libération des membres de l'Arche de Zoé après la grâce du président tchadien. Alain Péliga, Dominique Aubry et Philippe Van Winkelberg sont les premiers à être sortis de prison tout à l'heure. Les trois autres Français devraient suivre dans la soirée. Une question reste en suspens, les 6 millions d'euros de dommages et intérêts que la France refuse de payer. Retour sur cette affaire rocambolesque avec Hélène Defer. Les 6 Français de l'Arche de Zoé avaient été arrêtés le 25 octobre dernier à Abéché, dans l'est du Tchad. Ils se préparaient à faire embarquer dans un avion pour la France 103 enfants présentés à tort comme des orphelins du Darfour, des enfants qu'ils destinaient à l'adoption. Un mois plus tard, ils étaient condamnés par les tribunaux tchadiens à 8 ans de travaux forcés pour tentative d'enlèvement d'enfants. Une peine commuée peu après en 8 ans de prison par les tribunaux français. Depuis, Éric Breteau, Émilie Lelouch et leurs compagnons attendaient une grâce du président tchadien Idriss Déby. Un président qui a cédé, peu après avoir été sauvé d'une tentative de coup d'État, grâce notamment à l'appui de la France. Les condamnés de l'Arche de Zoé sont désormais libres, mais restent plusieurs questions en suspens. Qui va indemniser les familles des enfants? Le Tchad avait réclamé l'équivalent de 6 millions d'euros, mais pas un centime n'a été versé. Et puis les responsables de l'Arche de Zoé en ont-ils vraiment fini avec la justice? Pas sûr, 4 d'entre eux, dont Éric Breteau et Émilie Lelouch, sont encore sous le coup d'une mise en examen par la justice française cette fois. Mais il faudra encore attendre 1 ou 2 ans pour qu'ils soient jugés. L'affaire de la banderole injurieuse du match PSG-Lens prend une ampleur nationale. Nicolas Sarkozy parle de comportement inadmissible. Le chef de l'État recevra demain Guy Delcourt, le maire de Lens, et les dirigeants du club de la ville. Sur le plan judiciaire, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour incitation à la haine raciale. Thomas Donzel. Le score final n'intéresse pas grand monde. Ce matin, chez les supporters lensois, il ne reste plus que de la colère et une demande, celle de sanctions exemplaires. Une interdiction de stade à vie et que chaque jour de match du Paris Saint-Germain, ils aillent tous pointer au commissariat le plus proche, tous. Rejouer le match, j'y crois pas, mais je pense qu'il faut quand même sanctionner le club. Le PSG joue gros. La commission de discipline de la Ligue peut condamner le club à une amende, le forcer à jouer à huis clos, voire lui retirer des points au championnat. Le monde politique et sportif réclame en tout cas des actions fortes pour éradiquer un phénomène toujours très présent partout en Europe. En Angleterre, par exemple, ça ne s'est jamais exprimé par des banderoles, parce que c'est pas dans la tradition anglaise, mais les rivalités entre Liverpool et Manchester, entre les équipes de Londres et celles du Nord, s'exprimaient et s'expriment encore parfois de cette manière-là. C'est-à-dire, dans le temps, souvent, les supporters d'Arsenal ou de Chelsea faisaient référence à ceux de Liverpool en disant les chômeurs, les voleurs du Nord. Les auteurs de la banderole risquent jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Le gouvernement réfléchit, lui, à allonger la durée d'interdiction de stade pour ce type de comportement. Elle passerait de 3 à 9 mois maximum, soit le temps d'une saison pour faire réfléchir ceux qui se disent supporters. Face à la dégradation des finances publiques, le gouvernement a trouvé son cheval de bataille, le plein emploi. Pour François Fillon, c'est même la solution à tous les problèmes du pays. Le Premier ministre s'exprimait à l'issue d'un séminaire gouvernemental. Mais dans l'immédiat, François Fillon mise sur la loi de modernisation de l'économie pour relancer la croissance. Pour examiner le programme de réformes économiques et sociales,
avec un objectif qui est de concentrer tous nos efforts, et en particulier pour la session parlementaire de printemps, sur les textes qui permettent d'obtenir de la croissance et surtout d'obtenir une amélioration significative du marché de l'emploi. Nous pensons que c'est le plein emploi qui est la solution à tous les problèmes de notre pays. Le gouvernement annoncera donc à la fin de la semaine des mesures d'économie. La principale devrait être la suppression de 35 000 postes de fonctionnaires. Le Parti socialiste dénonce un plan de rigueur. Hélène Mangiardi. Pour trouver de l'argent, pas question d'augmenter les impôts. François Fillon annonce des mesures d'économie pour tenir ses engagements européens. On ne parle donc toujours pas de plan de rigueur, mais pour réduire les dépenses, l'État devra bien se serrer la ceinture. Donc il faudra certainement couper dans des ministères qui ne concernent pas forcément des fonctions régaliennes, comme par exemple Bercy, hein, l'économie et les finances. Ça a déjà commencé à être fait, mais il y a certainement des voies d'amélioration. Et puis il faudra aussi certainement s'attaquer à certains tabous, par exemple l'éducation nationale. Il y a très certainement, là encore, des économies à réaliser. Des arbitrages à faire donc qui s'ajouteront aux réformes de la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Autre piste pour faire des économies, les dépenses sociales. On peut toujours dire voilà, on va doubler la franchise médicale. Mais doubler la franchise médicale, ça va vous faire un supplément de 900 millions d'euros. On voit qu'on est très loin des ordres de grandeur. En gros, globalement, ce qu'il faudrait, c'est que l'État arrive à économiser ou à avoir des nouvelles recettes aux alentours de 10 milliards d'euros en année pleine. 10 milliards d'euros donc pour rester en dessous des 3% de déficit imposé par Bruxelles. Tenir les objectifs européens, c'est une priorité pour François Fillon. Il en va de la crédibilité de la France devant ses partenaires européens. Le sort des 600 salariés de l'usine de Gandrange est toujours en suspens. Nicolas Sarkozy aura un contact dans les prochains jours avec Lakshmi Mittal, le PDG d'ArcelorMittal. La décision du chef de l'État de renforcer les troupes françaises en Afghanistan fait polémique. L'opposition parle d'erreur et regrette que le Parlement ne débatte qu'une fois la décision prise. Après le Liban, la Côte d'Ivoire, ce renfort en Afghanistan va peser sur le budget des interventions militaires qui devrait atteindre 1 milliard d'euros. Patrick Sauss. Depuis son arrivée en Afghanistan il y a 6 ans, l'armée française a hésité entre une simple présence dans les régions les plus calmes et une participation occasionnelle au combat. Mais pour les experts, ce contingent, porté à 3500 hommes, va désormais devoir entrer dans une phase véritablement active. Si on estime que stabiliser cette région c'est important, parce que là il fallait y aller, il faut y rester. Et il faut avoir le courage et l'endurance d'y rester le temps nécessaire pour remplir la mission. Si à l'inverse on estime que c'est hors des zones d'intérêt traditionnel français, et que fondamentalement nous n'avons rien à y faire, que nous y sommes allés uniquement par complaisance en fait, envers les Américains, les Britanniques et les Allemands, fondamentalement en contrepartie de l'Irak, parce que nous n'allions pas en Irak, dans ce cas-là il faut se retirer. La pire des solutions, c'est l'entre-deux. Le geste de bonne volonté de Nicolas Sarkozy vers les États-Unis est évident, mais de toute façon, l'état-major français n'aurait plus véritablement le choix. Si on n'était pas d'accord au début avec les principes d'un conflit, il aurait peut-être fallu le dire à l'avance et non pas s'engager sur les terrains. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un pays qui a désespérément besoin de l'aide internationale et que donc il serait pour le moins compliqué de l'abandonner à soi-même dans un moment dans lequel il y a un regain des tensions. Depuis 2001, 12 soldats français ont trouvé la mort en Afghanistan, dont 9 au combat. Public Sénat retransmettra demain en direct du Sénat le débat sur l'Afghanistan. Et puis pour terminer, c'est la ville de Milan qui a été choisie pour organiser l'exposition universelle de 2015. La ville italienne a été préférée à sa concurrente turque, Izmir. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et Jean Le Gombeau pour la suite du Bouge la France. L'Amérique sur la route d'une révolution financière pour mieux maîtriser un dollar qui part à volo et des banques affaiblies par des pertes abyssales. Et voilà certainement de quoi donner des idées aux instances européennes. Jean-Louis Gombeau vous en dit plus tout de suite. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Il n'y a pas qu'en France qu'on veut faire des réformes. Oui. Aux États-Unis, ça y est, on l'a annoncé tout à l'heure, c'est le secrétaire au Trésor qui a proposé une série de mesures pour réagir face à la crise financière. Est-ce qu'ils vont y arriver? Alors,
D'abord, il faut voir que les États-Unis ne sont pas des férus de réformes. Le système bancaire et surtout pas de révolution. Le système financier et bancaire américain, les structures législatives, légales, datent des années 30. Donc c'est la première grande réforme à cause des subprimes que vont engager maintenant les États-Unis, parce qu'ils prennent, disons, le taureau par les cornes. C'est très intéressant parce qu'en France, par exemple, on en est à je ne sais pas combien de réformes sur le système bancaire et financier. Alors ce que nous a proposé tout à l'heure, il y a deux heures de cela, Henry Paulson, c'est deux axes essentiels. Alors le document fait 268 pages, donc on va aller au principal et au plus vite. On va pas tout se les faire ce soir. Exactement. Premièrement, un renforcement absolument considérable des pouvoirs de la Banque centrale des États-Unis, qui aura maintenant le droit de regarder dans les comptes de toutes les banques, en permanence, non seulement les banques, mais aussi les fonds d'investissement et même les hedge funds, c'est-à-dire les fonds spéculatifs. Donc un pouvoir de contrôle considérable attribué à la Réserve fédérale. Deuxièmement, un pouvoir de régulation de toutes les instances régulatrices américaines, c'est-à-dire qui va les regrouper de façon à déterminer tout le mode de régulation financière. Donc on est dans un système de hyper-contrôle, hyper-régulation, autant dire que pour les Américains, c'est carrément rentré dans le communisme, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, pour eux, et déjà même il y a des protestations du côté républicain, c'est pour eux quelque chose, une véritable révolution, justement. Alors, est-ce que l'Europe va s'aligner sur ces mesures ou est-ce que nous, on est capable de régler le problème entre nous à l'européenne? Alors, justement, je crois que ça, c'est la grande question. Parce que aux États-Unis, le débat sur contrôle, régulation, il y a un vrai clivage. Les gens ne sont pas d'accord là-bas. Vous avez même Obama... Ils ne sont pas d'accord entre eux, donc ils vont pas nous mettre d'accord tout de suite. Exactement. Et même Obama a dit tout à l'heure que ça n'allait pas assez loin, alors que d'autres républicains disaient, ça va déjà trop loin. Alors qu'en Europe, tout le monde est à peu près d'accord sur la régulation et le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les États-Unis qui s'engagent plus sur ce chemin et l'incapacité pour l'Europe à mettre sur pied un mode de régulation. Il y en a dans chaque pays, bien entendu, mais une instance régulatrice de la finance à l'échelle européenne. Et là, il faut vanter quand même le pragmatisme et la force de réaction américaine face à une crise. Alors, il faut les critiquer parce que la crise démarre quand même de chez eux, mais il faut voir leur capacité. Et je voudrais prendre à ceci deux exemples. La Réserve fédérale, il y a à peu près une semaine, a renfloué une banque d'investissement, ce qui est interdit par la loi. Mais malgré ça, ils l'ont quand même fait. Du côté de l'Europe maintenant, aujourd'hui, on nous dit l'inflation est de 3,5%. La Banque Centrale Européenne dit mon objectif, c'est de défendre une inflation à 2%. On est proprement ridicule, c'est-à-dire que comment se fait-il qu'on dit mon objectif c'est de défendre et répéter ça pratiquement tous les jours, alors qu'on a une inflation à 3,5%. Donc il y a vraiment d'un côté un véritable pragmatisme et de l'autre il y a une véritable rigidité. Est-ce qu'on peut compter, nous les Européens et accessoirement nous les Français, sur ces mesures, si elles fonctionnent, qu'est-ce que ça va engendrer pour nous? Alors ça ne peut être que positif quand même, parce que comme tout part de là-bas, la crise part de là-bas. Si les États-Unis arrivent à sortir de là avec un système plus sain, mieux régulé, moins fou, c'est incontestablement bon pour nous. Mais d'un autre côté, il faut bien voir que s'ils arrivent à sortir cette épine du pied de leur système, ils vont renforcer leur système financier et quelque part, ils vont renforcer le pouvoir des États-Unis sur la régulation financière internationale. En réalité, à notre détriment, si nous n'arrivons pas, nous, à mettre sur pied quelque chose d'équivalent. Merci beaucoup Jean-Louis, à demain soir. On va maintenant passer à un problème qui concerne les habitants de Noisy-le-Sec, mais un problème beaucoup plus large, vous allez voir, ça concerne la cantine, donc le primaire. Les cantines gratuites pour les enfants des écoles, l'initiative avait surprise et fait grand bruit dans des communes de Seine-Saint-Denis, mais sitôt élu, le nouveau maire socialiste de Noisy-le-Sec fait marche arrière. Alda Pereira, le maître, n'est pas sans argument pour justifier cette décision. Pierre Sled accueille sur le plateau de Bouge la France, Madame le maire de Noisy-le-Sec. Bonsoir Alda Pereira, le maître, merci d'être là. Bonsoir. Vous avez entendu, c'est vrai que cette histoire de cantine gratuite, on a l'impression que c'est une mesure sociale. Et alors on ne comprend pas pourquoi les socialistes suppriment des mesures sociales. Quels arguments avez-vous?
En fait, la cantine gratuite n'a de gratuit que le nom, puisque ça représente l'équivalent de 15% de la taxe d'habitation sur Noisy-le-Sec. Voilà, donc il faut quand même se le dire. Aujourd'hui, la cantine gratuite à Noisy, ça ne touche que les enfants du CP au CM2, puisque les maternelles continuent de payer. Et moi, ce que je propose, c'est de revenir à une mesure beaucoup plus juste, qui est celle du quotient familial, en intégrant un élément qui est celui du surendettement en plus des familles. Donc, revenir... Ah, ça, c'est pas le cas pour l'instant. Pour le moment, ça n'est absolument pas le cas. Il y a un quotient familial qui existait et qui est appliqué actuellement maternelle, puisque les cantines pour les maternelles ne sont pas gratuites. Hein, les enfants y déjeunent et les parents payent donc pour se déjeuner. Pour l'instant, c'est gratuit pour tout le monde. Pour l'instant, c'est gratuit uniquement pour les enfants qui sont en élémentaire. Donc voilà. Mais tout cela. Absolument. Donc moi je propose qu'on vienne à un quotient familial, qu'on intègre en plus la dimension de surendettement des familles de manière à ce que peut-être que certaines familles ne paieront pas dans l'absolu, mais il faut que ce soit justifié. Voilà. Sur quels critères vous allez faire ça? Parce que c'est vrai que dans l'absolu, se dire ceux qui sont plus dans le besoin ils payent pas et ceux qui en ont moins besoin ils payent. Tout simplement le quotient familial. Donc on va tenir compte des revenus des familles. Dans les communes avoisines de Drancy, du Bourget, là, la gratuité est conservée. Pourquoi il se passe pas la même chose à quelques kilomètres d'écart? Parce que je pense que ça n'est absolument pas une mesure sociale. Aujourd'hui, je vais vous raconter une chose. À Noisy-le-Sec, comme peut-être dans d'autres villes, par exemple, l'étude aujourd'hui est payante et quels que soient les revenus de la famille. Nous avons fait le choix de faire une étude dirigée gratuite pour que chaque enfant puisse avoir la chance de réussir à l'école. Et je pense que... Là, c'est une mesure sociale beaucoup plus équilibrée et qui touche beaucoup plus de monde. Manger, c'est aussi une mesure sociale. Je suis d'accord, sauf que il est prévu, si on revient à un quotient familial, que certaines familles payent peut-être 20 centimes d'euros, d'autres peut-être pas si elles sont en surendettement, et c'est vers ça que nous souhaitons aller, et que les familles qui ont des revenus, cohérents, puissent, elles, payer en fonction de ce qu'elles gagnent. Puis il y a une chose qu'il faut pas oublier actuellement sur notre ville. Vous avez beaucoup de personnes retraitées qui contribuent à payer pour ces cantines, puisque c'est le contribuable qui paye, hein, faut le savoir quand même. Mais votre ex-adversaire, l'ancien maire, dit que les chiffres que vous donnez sont très exagérés, que ça coûtait pas si cher que ça en fait. Écoutez, les chiffres que nous avons, on a beaucoup de mal à les avoir. Ça va coûter entre 1 million et 1 million 5 d'euros, ce qui est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, il y a une dégradation de la qualité du repas, une dégradation de ce temps qui doit être un temps de pause pour l'enfant, un temps qualitatif. Pourquoi? Et aujourd'hui, dégradation du temps? Dégradation parce que les enfants doivent manger très très rapidement, on les presse pour déjeuner. Et puis en plus, je vais vous dire une chose, c'est complètement irresponsable parce qu'aujourd'hui, on me raconte qu'il y a beaucoup de gâchis, parfois dans certaines écoles sans repas qui partent à la poubelle, parce que les familles ne prennent plus le temps, en tout cas ne respectent plus certaines règles de vie qui sont tout simplement de prévenir si l'enfant reste déjeuner ou pas. C'est aussi simple que ça, mais 100 repas qui partent à la poubelle par jour, c'est quand même énorme. Les maternelles, vous disiez pour l'instant c'est pas comme ça, vous comptez mettre ça justement au niveau des maternelles? Non, moi je pense que ce que nous allons faire très rapidement, c'est créer en fait une concertation, puisque les cantines gratuites, on va y revenir, mais pas n'importe comment. Moi j'ai été élue sur la base d'une méthode et d'un projet. Ma méthode, c'est la concertation, c'est la démocratie participative. Donc je souhaite dans ce débat autour des cantines gratuites concerter à la fois donc les professionnels de l'enfance, les enseignants, les parents d'élèves, essayer de réfléchir aux besoins de l'enfant, à ce que doit être ce moment. Ça va mettre un petit peu de temps, parce que là pour l'instant c'est que c'est gratuit à ce niveau-là. Le temps que vous changiez tout, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons prêts pour septembre, donc c'est-à-dire que nous avons jusqu'au mois de juin pour ce temps de concertation. Et en attendant ça reste gratuit? En attendant ça reste gratuit, absolument, mais je vous le répète, hein, quand on parle de cantine gratuite, ça n'a de gratuit que le nom, et actuellement ça ne touche que les enfants du CP au CM2, pas les tout-petits. Est-ce que ce sont des mesures que vous avez annoncé lorsque vous avez mené votre campagne municipale? Moi, ce que j'ai annoncé pendant ma campagne des municipales, c'était de dire que nous ne reviendrons pas dans l'immédiat sur les cantines gratuites, mais que par contre, il y aurait concertation avec les différents responsables, à la fois locaux, en associant les parents d'élèves. Donc ça, nous l'avions en effet annoncé. Et quand j'ai vu le coût que ça fait laisser supporter à la ville, je pense qu'il faut être cohérent et puis il faut être réaliste. Et la politique, c'est aussi du courage politique et être responsable.
Vous savez, à la maison, on fait en fonction de ce qu'on a dans le porte-monnaie. Une ville, c'est pareil, quoi. Donc, on peut pas créer des trous énormes dans une ville, alors qu'en plus, c'est pas une mesure juste. Il faut le dire tel que c'est, en fait. Mais vous êtes d'accord que les vertus de la cantine, c'est pas seulement de nourrir les élèves, c'est aussi de faire en sorte qu'ils se retrouvent à un moment privilégié dans la journée. Est-ce que vous comptez exploiter mieux justement ce moment? Écoutez, oui, ce moment doit être exploité bien, bien mieux que ce qu'il est là actuellement. Tout simplement, aussi une chose que je tiens à dire, parce que vous savez, cette campagne a été trash, et y compris sur la question du personnel communal, à qui on a fait peur en disant si les socialistes reviennent, ils vont supprimer les cantines gratuites et virer toutes les personnes qui ont été embauchées pour cela. Je tiens à dire aujourd'hui solennellement que ces personnes ne seront pas du tout renvoyées. Bien au contraire, absolument. Bien au contraire, nous allons les garder car nous étions en sous-effectif il y a encore quelques années de ça. Et là, c'est la mère d'élèves et la militante parent d'élèves qui vous parle. Donc ce moment, vous l'avez dit à l'instant, doit être un moment en tout cas de qualité pour nos enfants. C'est pour cette raison que nous souhaitons avoir une concertation de manière à ce que ce soit un moment de qualité sur la qualité du repas, mais aussi sur la qualité du temps passé, et que chaque enfant ait le temps en fait de pouvoir décompresser, se poser. Et puis on va même coordonner, organiser en fait des activités pendant la pause méridienne, hein, qui est l'heure du midi, et ça va se faire en coordination. Tout ça. Enfin, on voit de toute façon que cette cantine gratuite ou pas fait débat. Est-ce que tout le monde était d'accord sur votre liste, vos colistiers? Avec ça. Alors sur cette question-là, je pense que oui, tout le monde était d'accord, puisque je vais vous dire, tout le long de la campagne, nous avons fait de nombreuses réunions d'appartements, de nombreuses réunions publiques, et ce qui est quand même très clair, c'est que beaucoup de personnes que nous avons rencontrées, et pas forcément des gens aisés, y compris des gens donc dans des situations parfois précaires et socialement très très déstabilisées, souhaitaient revenir sur cette condition-là, parce que tout simplement, ils sentaient que le moment du repas est un temps qui était devenu dégradé pour leur enfant. Et alors après, bien entendu, il faut mener la réflexion aussi pour savoir pourquoi est-ce que les locaux ne sont pas adaptés pour accueillir autant d'enfants, parce que ça, il faut aussi qu'on les adapte, parce que dans l'absolu, aujourd'hui, toutes les mamans travaillent, ou presque, donc on devrait toutes et tous pouvoir laisser nos enfants sur le temps de la sur ce moment de cantine. Absolument. Donc, mais par exemple, vous savez, j'observais ça il n'y a pas très longtemps, un enfant qui est arrivé devant le tableau, qui a vu que c'était du chou-fleur, il a dit à sa maman, tu diras à mamie de venir me chercher. Donc voilà, donc c'est un repas qui est parti à la poubelle ce jour-là. Ça existe depuis toujours. Est-ce que c'est une décision que vous avez prise seule à Noisy-le-Sec, ou est-ce que vous en avez parlé aux instances du Parti Socialiste? Est-ce que à l'intérieur du Parti Socialiste, on est plutôt d'accord avec vous, complètement d'accord avec vous? Mais écoutez, très franchement, je suis pas allée consulter la rue de Solferino, parce que je me sens quand même une femme libre, responsable, et je le fais sur la base de fondamentaux et de valeurs de gauche. C'est-à-dire que moi, je suis pour de la justice sociale, et que je pense que cette mesure n'est absolument pas sociale, car quand vous faites les comptes, qui en fait en garde plus dans la poche? Ceux qui étaient dans des tranches hautes, c'est-à-dire ceux qui payaient 3 à 4 euros, les personnes qui payaient 20 centimes d'euros, 24 centimes d'euros, finalement, dans l'absolu, si vous faites le compte, c'est pas elles qui bénéficient le plus de cette mesure. Et puis aussi, moi je pense qu'en contrepartie, et ça je vais faire beaucoup de communication autour de ça, je pense qu'aujourd'hui, si on doit faire quelque chose de gratuit, ça doit être aussi l'accompagnement et le soutien scolaire, ça doit être l'étude dirigée gratuite. Or, aujourd'hui, je tiens à le dire à Noisy-le-Sec, quelle que soit la situation des parents, il y a un tarif qui est identique pour tout le monde. Donc, il n'y a même pas de quotient familial appliqué sur ce moment qui doit être un moment, comment dirais-je, qu'on doit, je pense, beaucoup plus soigner, parce que vous le savez comme moi, surtout dans un département comme le mien, parce que je ne suis pas dans n'importe quel département, je suis dans un département très très jeune, avec parfois des enfants en situation scolaire très difficile, et qui parfois en rentrant à la maison se retrouvent à quelques-uns, en général nombreux, dans une même pièce pour travailler. On doit privilégier donc l'étude dirigée gratuite pour pouvoir donc garantir aussi peut-être plus de réussite scolaire. Merci beaucoup Madame le maire, on a compris aussi que c'était la mère qui parlait également. Absolument. la mère d'élèves et d'enfants. Merci beaucoup. On va continuer à parler politique maintenant avec Denis Jambard, qui va nous expliquer pourquoi le président de la République reprend des couleurs dans les sondages. Oui.
Oui, il retrouve quelques couleurs, Nicolas Sarkozy, quelques points grappillés dans un récent sondage après des mois de descente aux enfers, fruit momentané d'un voyage réussi en Grande-Bretagne ou en embellie furtive, comme peut l'être un bourgeon printanier. La réponse de Denis Jambard sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Denis. Bonsoir Pierre. Alors ça ne nous a pas échappé, ça y est, Nicolas Sarkozy remonte dans les sondages. Il faut dire que depuis sa première fois depuis le début de janvier hein, de 2008, sa cote de popularité donc remonte. Est-ce que vous pensez, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, est-ce que vous pensez que c'est déjà les premiers effets de sa reprise en main de son image présidentielle? Alors deux choses. En effet, le président avait commencé à modifier son comportement avant même les élections municipales. Hein. Ouais. Moins d'exposition publique, plus de retenue, et un travail qui avait été fait en réalité à l'intérieur de l'Élysée, bien avant les municipales, pour essayer de lui donner plus de stature présidentielle. Et puis, le voyage réussi, je crois que tout le monde s'accorde à le dire, à Londres. Pas du tout bling-bling. Pas du tout bling-bling, avec une première dame qui fait une prestation très remarquée, des relations en France-Angleterre ou France-Grande-Bretagne qui se rétablissent, enfin même si en grattant on se demande si tout ça repose sur des choses très solides, mais néanmoins un vrai voyage d'État réussi, ce qui fait que tout d'un coup le président reprend une stature et il est plus conforme à l'idée que se font les Français de la fonction présidentielle. Et il remonte. Est-ce alors c'est pas encore envolé. Hein. Est-ce que ça veut dire que le fait qu'il remonte, c'était juste un problème d'image? Non, je crois pas. Alors deux choses aussi. Un, il a beaucoup baissé, mais il a pas creusé encore le fond de la piscine. Il était autour de 38-40%. C'est vrai qu'il partait de haut aussi. Oui, il partait de très haut, mais Mitterrand et Chirac sont descendus en dessous de 30%. Donc il y avait encore de la marge en réalité. Mais c'était très spectaculaire parce qu'il partait de plus de 60%, donc 20 points perdus, etc. Donc c'est assez remarquable d'avoir réussi finalement à s'arrêter au niveau de 38-40 et d'être aujourd'hui dans ce sondage que nous évoquons à 40% où il reprend à 43% où il reprend 3 points. Première remarque, donc il a rebondi alors qu'il n'était pas encore dans une situation dramatique, même si tous les commentaires étaient « c'est la catastrophe, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe ». La deuxième chose, c'est que je crois que c'est une embellie, mais ce n'est pas le grand beau temps assuré pour les semaines et les mois à venir. Pourquoi ? Parce qu'on a une situation économique qui est extrêmement difficile. On voit aujourd'hui que le gouvernement a des marges de manœuvre très réduites, les déficits se sont creusés, la dette s'est creusée, le moral des ménages n'est pas terrible. Heureusement que l'emploi, lui, repart un peu, grâce à la courbe démographique, il faut jamais l'oublier. Mais le fond économique n'est pas tel qui va permettre au président de remonter très 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 vite. On dirait comme dans les élections un petit peu que Nicolas Sarkozy a un réservoir. Et là le réservoir, on a l'impression qu'il s'appelle François Fillon, puisque plus Nicolas Sarkozy était descendu, plus Fillon était monté. Et là, comme de par hasard, il baisse aussi. Est-ce que ça augure d'une période compliquée pour le Premier ministre ? C'est une merveille de la Ve République. Quand le président baisse, le Premier ministre remonte et vice-versa. Donc il est clair aussi que François Fillon s'est beaucoup plus exposé que le chef de l'État dans les élections municipales. Il nous avait dit il y a 3 mois, le président de la République, qu'il allait faire la campagne. Puis finalement, voyant que les sondages baissaient, il les a pas faites. Donc c'est un peu François Fillon qui porte la responsabilité d'un échec assez sévère. Et puis, aujourd'hui, il est clair que le président de la République, il a décidé d'appliquer le principe un Premier ministre, ça s'use quand on s'en sert. Et comme le Premier ministre a une très bonne cote de popularité, autant s'en servir et se mettre à l'abri. Et là, on retrouve encore le fonctionnement traditionnel de la Ve République, le Premier ministre qui sert de fusible. Et puis en plus, à côté du Premier ministre, si on peut mettre d'autres pions, avancer des pions, c'est pas plus mal. Là, on le voit avec Xavier Bertrand qui a été nommé... Ça ressemble un peu à la cour de récréation. Voilà, secrétaire général adjoint de l'UMP dans le week-end. Et là, il est allé sur une radio, sur RTL, au grand jury, comme invité principal. Et alors, moi, j'aimerais bien savoir comment vous, Denis Jambard, vous interpréter ça, il y avait 6 ministres au premier rang. C'est quand même gonflé. Oui. C'est même un peu de la provoque. Surtout que le Premier ministre passait quelques minutes plus tard sur TF1 et donc il lui a tiré un peu le tapis sous les pieds, comme on dit vulgairement, en faisant par ailleurs des annonces. Donc il y avait là comme une
présentation quelques mois à l'avance d'un futur Premier ministre. Je pense que Xavier Bertrand devrait quand même faire attention. Il me semble que les Français ne se prêtent pas à ce jeu-là et qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'il y ait un gouvernement qui travaille, qui soit uni et qui obtienne des résultats. Si c'est, comme je le disais, la cour de récréation, attention au sondage, ça va rebaisser. Très bien, merci beaucoup. On suivra effectivement l'attitude de Xavier Bertrand qui sait parfois se faire oublier pendant des semaines et des semaines. Et lorsqu'il apparaît comme ça, c'est jamais franchement un hasard. Donc on va voir à quoi c'est destiné. Oui, c'est un homme qui a beaucoup d'intelligence politique. En effet, il l'a montré. Exactement. Merci beaucoup, Denis. On va maintenant évoquer le rapport Attali. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs semaines. Faut-il l'appliquer, ce rapport? Ils étaient en réunion aujourd'hui. On va essayer d'y répondre. C'est presque une volée de bois vert qui avait accueilli les 300 propositions de la commission Attali censée libérer la croissance française et puis plus rien, sinon la confirmation que l'économie va mal. Alors, faut-il regarder d'un œil neuf les travaux d'une commission trop vite enterrée? Réponse avec nos invités, ils sont trois sur le plateau de Bouge la France. Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, Nicole Bric, sénatrice socialiste de Seine-et-Marne, et l'économiste Jacques Delplat, membre de la commission Attali. Voilà, et nos invités vont répondre non seulement à nos questions, mais aux questions que vous avez posées sur lefigaro.fr. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Je commence avec vous, Jacques Delplat, parce que vous étiez en réunion aujourd'hui. Absolument. Alors, expliquez-nous, ça servait à quoi cette réunion? Alors, premièrement, de la commission. Comme il était dit dans votre commentaire, on n'a pas été accueillis par une volée de bois vert. On a été accueillis par une volée de bois vert par les lobbies qui étaient dérangés. Oui, ça n'a pas fait un triomphe non plus. Évidemment, chez les lobbies de la conservation et du non-bougisme, c'est normal qu'il n'y ait pas de... Mais il y a quand même, on a eu beaucoup d'échos positifs, donc juste, c'est classique, dans une réforme, les gens qui sont contre hurlent beaucoup plus que les gens qui sont pour. Alors, de quoi on a parlé? Ben, on a fait un tour du débat de la réception, et les gens qui sont pour, il y en a beaucoup. Ils nous envoient des mails, des lettres, des élus, des associations, des syndicats, des associations de consommateurs. Ça arrive quand même, excusez-moi, ça arrive quand même qu'il y en ait qui soient contre certaines réformes. C'est ce qu'on a cru entendre quand même. Mais bien sûr. Mais est-ce que vous en avez parlé de ça? Mais bien sûr. Ah, on a fait que ça d'ailleurs. On a fait. Donc j'ai parlé que de ce qui allait pas, quoi. Non, on a parlé de pour et du contre, bien sûr. D'accord. Donc il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pour. C'est ça qu'il faut voir de quoi on a parlé, donc de l'agenda, du suivi de ce que font les parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale et le gouvernement, de la nouvelle loi de modernisation de l'économie et de ce qui. Nous, on est là pour regarder maintenant. Hein. Donc, et de parler aux gens, notamment, on s'est aperçu que on n'avait probablement pas assez parlé aux associations de consommateurs. Voilà. Alors, Nicole Bric, vous êtes prêté à travailler sur un projet de loi sur la modernisation de l'économie. Est-ce que vous trouvez moderne ces propositions Attali? Est-ce qu'elles sont modernes? Je ne sais pas si elles sont modernes, parce que tout le monde se part de la modernité, mais elles sont, en tout cas, pour certaines, intéressantes. Et quand Jacques Attali est venu présenter avec deux autres de ses collègues de la commission au Sénat son rapport, je crois que c'était au mois de janvier, il n'a pas été accueilli mal au Sénat. On a formulé des critiques à la fois sur le fond et sur la forme. Moi, je trouve qu'il y a des propositions extrêmement intéressantes et qui partent d'un diagnostic. Par exemple, quand on dit on veut créer 10 pôles d'excellence universitaire, je trouve que c'est une très bonne idée. Le problème, c'est le contretemps du rapport, à savoir que les réformes qu'il prône, alors dont certaines sont très discutables, il y a 300 propositions, Mme Lagarde a dit qu'il y en aurait 36, je ne sais pas lesquelles, dans le projet de loi de modernisation, dans une interview qu'elle a donnée aujourd'hui à un quotidien du matin, mais moi ce qui... Il y en a aussi qui sont très larges. Oui, mais ce qui me... Faire en sorte qu'un enfant d'un sixième ait une culture, on est tous d'accord avec ça. Il y a un peu un pêle-mêle, mais de mettre en priorité le problème de l'éducation, ça me paraît fondamental, ça c'est vraiment majeur. C'est par là que ça commence là. Cela étant, la critique que je ferai, c'est du contretemps, parce que pour faire un certain nombre de réformes qui pourraient être tout à fait valables pour accroître la compétitivité globale de notre économie, il n'y a pas de réforme qui ne coûte pas. Et je pense que les marges de manœuvre pour faire ces réformes, aujourd'hui, elles sont réduites à néant. C'est ça la grande difficulté. Il aurait peut-être fallu commencer
par proposer aux Français lors du débat de la présidentielle les mesures qui sont les meilleures dans le rapport Attali, pour après dégager les marges de manœuvre pour les financer. Hervé Mariton. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un débat quand même assez virtuel. Alors, Hervé Mariton, alors, moi, je reprends vos déclarations, il y a quelques mois, juste avant les municipales, vous disiez, c'est vrai que le rapport Attali, il tombe pas bien, il nous scie un peu la planche, pour la campagne des municipales. Et là, vos dernières déclarations, c'est, il faut positiver. On voit que vous avez pris des fonctions à l'UMP, vous. Non, mais il n'y a pas de contradiction dans mon propos. D'ailleurs, je fais partie des quelques parlementaires, au sein de la majorité à avoir une attitude plutôt positive à l'égard du rapport Attali. J'ai pas vraiment été payé de retour, y compris par Jacques Attali. Je lui ai fait un somme d'observation. L'une d'entre elles était que je trouvais que les propositions étaient intéressantes à bien des égards, mais pas très originales. Je maintiens ce point. Ça avait rendu Attali absolument furieux. Ensuite, mais c'est une réalité, au demeurant, pour faire bien, on n'est pas obligé de faire diantrement original. Mais c'est vrai que ça manque un peu d'originalité. Deuxième point, sortir le rapport et un somme de ses propositions juste avant les élections municipales, c'était pas génial en termes de calendrier, je confirme. Ensuite, j'anime au sein du groupe UMP un des ateliers destinés à regarder un peu ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Il y a un somme de propositions qui sont tout à fait bienvenues, d'autres que nous avons récusées. Il y a eu un consensus très rapide au sein du groupe UMP pour dire nous ne voulons pas de mise sous condition de ressources des allocations familiales. Nous avons dit aussi il y a une dizaine de jours, et j'ai dit en particulier avec le soutien de mes collègues, que nous n'étions pas favorables au quota d'origine s'agissant des élections politiques. Il y a donc un certain nombre de points sur lesquels nous disons clairement non. Et il y en a d'autres. Vous allez continuer à dire non là ou vous allez On n'a pas vocation à dire non surtout, mais je viens de vous donner deux exemples sur lesquels nous disons non. Il y a un autre exemple tout à fait au début du rapport sur lequel je crois que les propositions ne sont pas au cœur du sujet. On évoque les questions importantes d'assistantes maternelles et de politique de la petite enfance. Je crois que le sujet aujourd'hui est bien plus un sujet de disponibilité d'assistantes maternelles que la question mise en avant dans le rapport d'amélioration de la formation des assistantes maternelles. Il ne me semble pas, moi je le vis en tant que maire, qu'on ait vraiment un déficit de formation aujourd'hui. On a éventuellement un déficit d'offres de travail. Et puis il y a d'autres propositions sur lesquelles nous souhaitons prospérer. Lorsque, sujet éminemment délicat, Jacques Attali propose de déplacer la frontière entre les professions médicales et paramédicales. Pour faire bref, c'est, je crois, un point important. Alors, il y a ce que dit Attali, il y a ce que nous-mêmes nous ajoutons pour arriver à quelque chose qui peut être utile. Faire en sorte que les infirmières bénéficient de délégations de fonctions, ça se fait parfois en réalité aujourd'hui, mais ça peut être développé. Faire en sorte que les aides-soignantes fassent un peu plus, parce que les infirmières auront fait un peu plus aussi. Tout ça, ça se valorise, tout ça, ça s'organise, mais c'est tout à fait essentiel. Prenez l'exemple des aides-soignantes. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'aides-soignantes libérales. Le système est totalement verrouillé, administrativé. Ben, c'est pas très heureux. Il y a comme ça un certain nombre de fonctions qui ne sont pas assurées dans de bonnes conditions. Il y a un gisement d'emploi et de création de richesses. Il faut l'explorer. Jacques Delplat. Le timing, la méthode et le fond. Le timing, c'est pas parfait. Alors, par rapport aux élections, peut-être, mais on n'a pas décidé le timing. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on fait des réformes, pour répondre à Madame Bric, sur le quand il n'y a pas de croissance? On aimerait tous faire des réformes quand il y a la croissance. J'y trouve juste, quand on a tous les pays qui ont fait des réformes, c'est en général plutôt une deuxième année, parce que la première année, il y avait de l'euphorie, et souvent quand ça va mal. Donc les marges de manœuvre, souvent les réformes se font quand il n'y a pas de croissance, parce qu'on a la corde au cou un peu. Donc, est-ce qu'on a les marges de manœuvre? Alors là, moi j'ai affiché une divergence explicite avec mes collègues de la commission. Je pense que toute réforme demande de l'argent. Ben oui. Donc moi j'ai écrit un petit livre avec mon collègue Charles Diploz où on explique que un des moyens de faire de la réforme, même en période de vache maigre, c'est de payer pour réformer. Je veux dire, il y a des gens qui sont heurtés, qui ont des problèmes dans la réforme, qui voient leur niveau de vie ou leur patrimoine baisser. Et nous notre idée, voilà, évidemment les taxis. Et nous ce qu'on dit, les gains d'une grande réforme, c'est sur l'ensemble du pays énormément à terme. Prenons-en un petit morceau de ce surplus de richesse sur les années 5 à 10 ou à 15 et
utilisons ça pour compenser les perdants d'aujourd'hui. Racheter les avantages acquis. Voilà, racheter davantage acquis et faire un filet de sécurité sociale pour les problèmes qui et les gens qui sont perdants. Alors ça suppose un petit endettement transitoire, mais le gain à long terme est très important. Sur le fond, c'est dernier point. C'est pas comme ça que ça nous a été bien présenté. Je dis que parce que quand les membres de la commission sont venus devant la commission des finances. Majorité opposition, nous avons posé la question du financement. On nous a dit, c'est neutre. Ça ne coûte rien. Et c'est avec une note de Bercy qui est voilà, un peu top voilà. Secret. Ça, c'est alors, vrai qu'il y a un petit problème qu'on n'a pas pu avoir, oui. Du reste. Hein. Et on nous a dit que le chiffrage s'était fait, du reste, dans une des salles du Sénat avec plein d'experts. Où j'étais. Et à partir, donc à partir de confiance. Là, et se pose le problème, se pose au-delà du fond. Le problème de la faisabilité, parce que moi je pense qu'on ne peut pas faire une réforme sans la lisser, sinon ce n'est plus une réforme, elle est mal vécue par ceux qui la subissent, et à partir de là, on ne se donne aucune souplesse et aucun temps. Et on sait très bien que notamment les mesures, c'est le grand reproche que moi je fais ça, il y a un certain nombre de mesures pour accroître la compétitivité. Moi je suis pour, mais quand on l'a dit à Madame Lagarde, quand elle a présenté son projet de loi TEPA en juillet, on lui a dit, vous prenez le problème à l'envers, vous allez gaspiller un certain nombre de ressources publiques et vous n'aurez pas accru la compétitivité et vous n'aurez pas le point de croissance que vous recherchez, elle ne nous a pas écoutés. Et elle a eu tort. Le gouvernement a eu tort. Vous comprenez que les parlementaires, en l'occurrence de droite et de gauche, hein, soient d'accord avec certaines mesures et pas avec d'autres. Est-ce que c'est votre cas, vous aussi? Tout à fait. D'abord, je l'ai dit explicitement, je suis contre... Monsieur Attali nous a dit, c'est tout ou rien. Attendez. C'est une logique. Premièrement... Donc pour appliquer... En même temps, on essaie de répondre à la question. Pour appliquer le rapport Attali, il faut un petit peu plus de souplesse. Tout n'est pas bon. Non, mais c'est pas ça. Il faut modifier les choses. Qu'est-ce que disent les économistes quand ils disent de tout rien? Moi, je reprendrai pas cette. Ah mais Attali, moi, je dis pas ça. Hein. Non, mais je dis pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une réforme du marché du travail, ça fonctionne d'autant mieux qu'à côté, on met de la concurrence dans les services et vice versa. C'est ça qu'on veut dire. Oui, il y a une cohérence. Voilà, et qu'il faut de la cohérence et que trois réformes ensemble, c'est beaucoup mieux qu'une réforme, trois réformes d'affilée. C'est ce qui est dit. Alors, je pense que la formulation tout ou rien était maladroite. Le problème, c'est que quand on s'attaque à tout, on ne fait rien. Voilà. La deuxième chose sur la concurrence, sur le fond, on peut. C'est vrai qu'on dit qu'il faut la concurrence dans les grandes surfaces. Est-ce que c'était droite ou de gauche? C'est pas comme tout évident parce que en partie c'est pas de gauche puisqu'une partie de la gauche marxiste reconnaît pas les vertus de la concurrence, et c'est pas de droite parce qu'une grande partie de la droite corporatiste est pour les rentes et contre les. Donc, et c'est aussi droite la droite libérale et c'est de gauche la gauche libérale. Donc c'est assez compliqué. Je veux dire, les réformes qu'on propose sur la concurrence, à mon sens, elles devraient être votées par la gauche éclairée et la droite éclairée. Qu'est-ce qu'un Hervé Mariton que je lis, Francis nous envoie ça. Est-ce que finalement, appliquer le rapport Attali, c'est pas reconnaître que le programme électoral de Nicolas Sarkozy ne valait rien? Je crois en tout cas que le programme électoral de Nicolas Sarkozy, c'est compliqué à comprendre. Le programme électoral de Nicolas Sarkozy peut pas servir de seul viatique du mandat. Il y a quelque chose de bien vu dans le programme et dans le phrasé de Nicolas Sarkozy, c'est la volonté de faire bouger les choses. Il y a une limite, à mon avis, à la méthode de Nicolas Sarkozy souvent, c'est de faire référence à un nombre de fiches qu'il s'est constitué au fil de ces dernières années, avec un stock d'idées, de mon point de vue, parfois un peu vieilli. L'intérêt de la commission Attali, c'est de secouer un peu tout ça. Et au fond, l'humilité du président de la République à dire « Ok, j'ai mon acquis, tout ce que j'ai travaillé pour devenir président, je reste dans une cohérence du mandat, et en même temps, je demande à un nombre d'experts, qui sont pas les plus inintéressants de la planète, quelles sont leurs propositions ?» Et maintenant, le président de la République est au pied du mur. Il est au pied du mur de la cohérence, de ce qu'il a proposé pour devenir président et de ce qu'il peut et veut faire. Est-ce que oui ou non, on a envie de réformer notre pays? C'est le thème de la rupture. Dans la rupture proposée par Nicolas Sarkozy, j'ai critiqué l'insuffisance de la méthode en amont. Mais maintenant, on est au pied du mur. Est-ce qu'effectivement, on a envie de porter en France des changements majeurs? On en a besoin. On a besoin pour ces changements d'un diagnostic. La commission Attali en participe, mais ce diagnostic, il faut le partager davantage. On a besoin d'une méthode. Entre autres, moi j'ai beaucoup insisté
sur les vertus de l'expérimentation. Faut-il encore croire réellement à l'expérimentation ? L'espèce de pression interne au gouvernement qu'on voit en ce moment sur le thème, justement, expérimentation, évaluation, sur le thème le RSA, c'est tout ou rien, ça n'est pas bien. Moi, j'ai applaudi la proposition de Martin Hirsch d'expérimenter le RSA, mais je suis d'accord avec Pierre Méhaignerie lorsque celui-ci dit « le RSA, on commence l'expérimentation, mais attendez, expérimentons, évaluons, plutôt que d'avoir immédiatement un chantage du tout ou rien. » Oui, au passage, ça vous fait faire une économie de 2 à 3 milliards. Mais attendez, moi, je crois que nous avons échoué. C'est pas un plan de rigueur, c'est ce qu'on peut faire. Mais je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'avec le revenu minimum d'activité, le RMA, il y a quelques années, gouvernement Raffarin, nous avons échoué. Or, en même temps, la question de la reprise d'activité des allocataires de minima sociaux est une vraie question, en particulier avec le RMI. C'est une question d'ordre économique, c'est aussi une question d'ordre politique qui nous est très souvent posée dans nos circonscriptions. On a essayé avec le RMA, on a eu le mérite d'essayer, on a échoué. On essaye aujourd'hui avec le RSA, je demande qu'il y ait expérimentation, évaluation, et la réforme Attali sur beaucoup de ces propositions sera d'autant bienvenue qu'on commencera par l'expérimentation. Par exemple, la suppression des départements ? Oui, qui était pourtant très critiqué au départ. De moins en moins. Comme on a perdu les cantonales, on peut se permettre de supprimer les départements. Nicole Vaud. Oui, non, je pense que le rapport Attali pose le problème de la réforme. Il pose le problème de la méthode et du fond. Je pense qu'au-delà des marges de manœuvre financières dont on a besoin, à la fois dans le public et dans le privé du reste, puisque l'un entraîne l'autre souvent dans nos vieux pays. Mais il doit y avoir un capital de confiance quelque part. Et il me semble que aujourd'hui, le capital de confiance dont bénéficiait Nicolas Sarkozy au moment de l'élection et dans les semaines qui ont suivi, il s'est transformé en défiance. Je ne crois pas. En défiance. Il y a un sentiment de gâchis. Écoutez, regardez. Mais je pense que la confiance, c'est pas Sarkozy. La possibilité d'un plan de rigueur. À partir de là, il est très difficile de donner du lien à la société pour la réforme. Parce que vous aviez quand même, au lendemain de mai 2007, ce capital, même s'il était léger, mais il était réel. Et vous aviez, pour ce qui est du marché du travail, des organisations syndicales qui ont accepté le jeu de la discussion et de la négociation. Ils l'ont fait en toute conscience. Et ça, aujourd'hui, quand vous regardez les indicateurs de confiance, Monsieur Mariton, vous les regardez comme moi, eh bien, ils sont tous à la baisse. Et le dernier qui reste, celui des ménages, est en train de chuter à la vitesse grand V. Et comme vous savez, le seul moteur qui marche encore dans les fondamentaux de l'économie, c'est la consommation. Donc, il y a urgence pour l'exécutif à démontrer. Ah ben oui, mais le problème, c'est que les mois qui ont passé ont gaspillé. Pour répondre à cette question, faut-il appliquer le rapport Attali ? Alors, il y a des points sur lesquels vous êtes d'accord, semble-t-il, et d'autres non. Il faut en garder combien dans ce rapport Attali ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut garder. C'est un peu compliqué à faire. Bien sûr, il y a des grands blocs. Il y en a quatre qui me paraissent très importants. L'enseignement, l'éducation. Le premier, c'est la concurrence. Dans le commerce, le détail, un peu dans toute l'économie des services. Ça, c'est essentiel pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages et pour créer des emplois. Le deuxième, c'est la réforme du marché du travail. Ça a très bien commencé à la discussion des syndicats. Il faudra probablement aller plus loin. Mais c'est une très bonne première étape. Troisième chose, la réforme de l'éducation supérieure. Je suis d'accord. Il y a un blocage qui est en train de se dessiner sur les retraites. Ne le niez pas. Le fait de dire on allonge à 41 ans alors que les seniors ne trouvent pas d'emploi à l'heure actuelle. Et le problème des seniors, on n'en est pas fait attention. Quand les économistes regardent ce sujet-là, on a tous un problème. Qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on va vivre à une espérance de vie de 90 ans en bonne santé à peu près, avec 2-3 ans de pas bonne santé à la fin, à l'horizon 2020-2030. Comment on va payer ça en partant de la retraite aux 60 ans ? On sait tous qu'il va falloir travailler probablement à l'ordre de 2050, quand on aura les données du Conseil de rétention des retraites, jusqu'à 65 ans. Pas tant que l'offre de travail les seniors aujourd'hui ne trouvent pas à... Mais la réponse à ça, c'est que les entreprises n'embauchent personne si elles savent
savent que les gens vont partir à la retraite à 56 ans. C'est en augmentant, c'est curieusement, en augmentant l'âge de départ à la retraite qu'on va favoriser l'emploi des seniors. Sinon, les boîtes, évidemment, quelqu'un qui a 52, 53 ans, dont elle ne sait pas quoi faire dire, dans 3 ans, il est à la retraite. Donc, premier bloc, la concurrence. Deuxièmement, le marché du travail. C'est un rapport qui est très contestable. Hein, troisièmement, l'université. Mmh. Et quatrièmement, si on peut, la réforme de l'État. Si on peut. La réforme de l'État, je considère que ça fait partie des objectifs fondamentaux, parce que non seulement c'est une réforme proposée par la commission Attali, mais je pense qu'elle est en réalité très ressentie par nos concitoyens, qui ne l'expriment pas nécessairement sous l'intitulé réforme de l'État. Mais ce sentiment qu'il y a un mauvais rendement de la machine est un sentiment très puissant, mmh. et il faut qu'on y réponde. Et pour le coup, ça ouvre un créneau pour la réforme de l'État. Donc je crois que c'est pas si on peut, je crois que c'est indispensable. Si pour terminer, Nicole Bry, vous avez dit tout à l'heure que le rapport Attali avait reçu un bon accueil ici au Sénat. Mmh. Quel sort réservé par... À l'exception du problème des départements. Oui, à l'exception du problème, oui, surtout maintenant. quelle va être l'attitude des parlementaires socialistes à l'égard du rapport Attali? Bah écoutez, vous me demandez mon avis, je vous l'ai donné, hein, ça n'a pas fait l'objet d'un débat. Le problème, je vous l'ai dit, hein, la méthode qui fait que ça arrive après les élections et dans une période où il n'y a pas de grain à moudre, hein, comme aurait dit quelqu'un de qualifié à l'époque. Les bonnes propositions, oui, mais par exemple, attendez, si vous nous dites demain... la majorité et le gouvernement qu'elle soutient. Si vous nous dites la réforme de l'État, c'est la diminution drastique des dépenses publiques, c'est le fait qu'on ne recrutera plus de fonctionnaires. Si vous dites que c'est ça la réforme de l'État, vous savez très bien que c'est pas ça la réforme de l'État. Eh ben on peut pas réformer sans réformer. Si ce n'est que ça, il y a un état de nécessité. Si ce n'est que ça, et il y a un diagnostic possible. C'est parce que vous avez un budget contraint. Oui. C'est parce que vous avez une idéologie. C'est pas parce que vous faites la réforme de l'État. Donc à partir de là, je crois que la réforme ne se fera pas sans passer par une séquence vérité. La réforme de l'État dans la commission Attali a été inspirée par un ancien ministre italien socialiste. Merci en tout cas à tous les trois. Merci. On suivra bien sûr dans Bouge la France la suite de ce rapport Attali. On va parler pas de sport malheureusement, on aurait bien aimé, mais de ce qui se passe dans les stades et notamment ce qui s'est passé ce week-end au Stade de France à l'occasion de la Coupe de la Ligue, encore du racisme. Une levée de boucliers. Je suis pas branché. Une levée de bouclier des élus du Nord aux supporters lensois jusqu'au président de la République pour dénoncer cette banderole de trop dans la marmite du Stade de France. Samedi soir, quelque chose ne tournait plus rond dans l'univers du ballon rond. Nos invités, Bruno Derrien, ancien arbitre qui connaît tout sur les dérives du foot national. À ses côtés, Christophe Carrège, député socialiste de Paris, qui en sait long lui aussi sur la violence dans les stades. Quant à Pierre Sled, je vous laisse juge. C'est vrai que cette affaire de banderole, bonsoir messieurs, c'est consternant. Néanmoins, ça fait quand même, vous le savez tous les deux, en l'espace de 22 semaines, là, on a un problème de racisme au milieu des stades, en première division, au plus haut niveau. Là, c'était des supporters qui ont déployé une banderole. À Metz, il y a quelques jours, c'était un supporter qui a insulté un joueur de Valenciennes. Et on se demande finalement, en dépit de ce qu'on va dire et de ce qu'on peut penser, si le mal est pas plus profond. Au fond, que c'est pas justement un mal qui est lié et qui est inhérent au football. Alors moi, une première question que je voudrais vous poser, d'abord en tant qu'arbitre, Bruno Derrien, c'est que moi j'ai vu à Barcelone Samuel Eto'o, l'avant-centre de Barcelone, quitter le terrain sur des injures racistes et il en avait ras-le-bol. Et tout le monde a reconnu que c'était le geste qu'il fallait. On a vu Wada prendre à témoin les télévisions, les arbitres, etc. Là encore, on voit une banderole. Que font les arbitres? Ils servent à quoi les arbitres? Alors je veux bien que l'arbitre soit sur son match, mais il est pas seul. Pour ce qui concerne la finale de la Coupe de la Ligue, vous comprenez bien que la mission première d'un arbitre, déjà, c'est de surveiller le jeu. C'est déjà difficile, c'est une finale, d'être derrière, de prendre les bonnes décisions, de surveiller les surfaces de réparation, et ne pas de surveiller en plus ce qu'il dit dans les tribunes, et voir les banderoles. Mais on n'arrête pas de dire que le quatrième arbitre, il sert à rien. Non, mais il y a des commissaires du match, il y a des policiers, il y a des stadiers, il y a des représentants de la Ligue, c'est leur métier. Quelque part, ils doivent alerter l'arbitre, voilà, il y a une banderole raciste, injurieuse qui est déployée dans la tribune. Donc quelqu'un prévient l'arbitre et il arrête. Il arrête le match. Mais encore une fois, nous ne demandons pas aux arbitres de faire ce qu'ils peuvent pas faire, ce qu'ils ne voient pas. C'est déjà difficile d'arbitrer un match. Surveiller toutes les tribunes, je crois qu'ils vont pas s'en sortir, Bruno, les pauvres. Le quatrième arbitre, c'est pas son boulot de faire ça. Bien sûr, mais encore faut-il qu'il la voie. Donc je pense que le quatrième aussi, il est pris par le jeu. Mais je voudrais pas disculper mes collègues arbitres, notamment. Mais c'est pas cela. C'est une manière de faire parce qu'il y a une forme d'hypocrisie. À Metz, c'est pareil. Non, mais il y a une forme d'hypocrisie. Le problème de racisme ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, vous connaissez bien le ballon.
au début des années 90, Bell, quand il jouait à Saint-Etienne, oui, il avait quitté Marseille pour la Sochelle. Il est allé jouer au Vélodrome, il a reçu des bananes tout le match, on n'a rien dit. Quand Aragonès traite de sale nègre Thierry Henry, 3000 euros d'amende. Quand Di Canio, après chaque but, fait un salut à un nazi, 1000 euros de suspension, d'amende. Donc il y a un laxisme, on a laissé tout faire. Aujourd'hui, il faut arrêter tout ça. C'est pas quand même facile. Chaque année, on parle. Enfin, vous êtes témoin à Paris. Chaque année, on en reparle. On n'arrive jamais. On a l'impression que nous, en France, on va jamais y arriver. Oui. En tant que parlementaire, on y a passé beaucoup de temps. Bah oui, je sais. On a légiféré, on a changé la loi à plusieurs reprises. Et on a l'impression, effectivement, que ça ne change pas, qu'il y a une forme de complaisance. Disons que je ne pense pas que la complaisance, elle soit volontaire. Je pense qu'il y a une espèce de système assez déresponsabilisé, où chacun, c'est le cas de le dire, se renvoie la balle. Les clubs de supporters, les associations, la Ligue de football, la préfecture de police, pour ce qui concerne avec Paris. Avec en fait de fond, ne cassons surtout pas notre jouet. Voilà. Et donc, on a l'impression de quelque chose où on a du mal à ce que chacun prenne la responsabilité qu'il a assumée là où il est. Je pense que si on arrivait à faire cela, je pense qu'un certain nombre de choses pourraient bouger. Parce que pour le reste, on a quand même fait beaucoup de choses sur le plan législatif. Moi, j'ai fait un rapport il y a 3-4 mois avec Claude Goasguen à l'Assemblée nationale, justement pour évaluer l'application des dispositions législatives concernant les violences dans les stades. Notre rapport, à l'époque, nous l'avions d'ailleurs présenté devant Michel Alliot-Marie, devant la ministre de l'Intérieur, et honnêtement, on avait été assez alarmiste en disant que lorsqu'il y a un événement comme celui qui s'est passé ce week-end, il y a une mobilisation considérable. Alors là, tout le monde s'en mêle, les politiques, la Ligue, les médias, etc. Il y a une focalisation énorme à ce moment-là. Et puis, une fois que cet événement est passé, on a le sentiment que tout retombe, tout redevient comme avant, et qu'il y a les mesures qui sont annoncées à ce moment-là, qui sont prises à ce moment-là, n'ont pas de suivi, et qu'on se retrouve tout à fait comme avant. Donc on a une espèce de gestion, une gestion un peu... chaotique de ce phénomène. Je vais vous donner un exemple concret parce qu'on parlait des arbitres. Moi, c'est vrai que je comprends pas pourquoi l'arbitre de Metz avec Ouada, pourquoi il n'a rien dit alors que il a été prévenu pendant toute une mi-temps. Mais il y a un deuxième facteur, parce que je sais que c'est comme ça qu'en Angleterre, en grande partie, qu'on a réglé le problème du hooliganisme. On a fait des appels et des lignes anonymes où les gens pouvaient effectivement dire, moi j'étais à telle place, il y avait un mec qui était raciste. Là, à Metz, il y a quand même un gars qui est au milieu d'une tribune qui a insulté un joueur noir pendant toute une mi-temps, et il y avait quand même du monde autour de lui, personne n'a rien dit, c'est pas possible. Non, mais là, l'affaire à Metz a été très mal gérée par le corps arbitral. Ah oui, la preuve, ça a recommencé 15 jours plus tard. Manifestement, on le sait déjà, il est alerté par le joueur. A priori, l'assistant lui dit aussi au premier mi-temps, attention, le Wadouk n'arrête pas de s'engueuler avec un supporter dans la tribune. Donc il est alerté. Et en plus, le joueur, il prend un carton jaune. Donc les gens ne comprennent pas. Le problème, mais aussi, vous savez qu'il y a un problème d'arbitrage en France, l'arbitrage est très décrié au plus haut niveau. Il y a eu un problème de communication ce soir-là. Je pense que l'arbitre aurait dû d'abord condamner les propos, recevoir la presse et dire que manifestement il n'avait pas forcément très bien géré la situation et qu'il aurait adressé un rapport complémentaire demandant l'annulation de ce carton. Je pense qu'il se serait grandi l'arbitre ce soir-là. Christophe Carrège, vous êtes d'accord sur cette histoire des lignes anonymes, des appels à témoins? J'étais en Angleterre, il y a un contrat local de sécurité. Nous avons fait un contrat local de sécurité pour le Parc des Princes. On a été dans ce cadre-là en Angleterre, on a été à Liverpool et à Arsenal. Bon, pour regarder justement comment les choses se faisaient. Alors d'abord, l'Angleterre, effectivement, a pris des mesures extrêmement draconiennes. Elle l'a fait parce qu'elle a été interdite de compétition européenne pendant 5 ans et parce qu'à Liverpool, il y a eu 80 morts. Bon, donc ils se sont dit, à ce moment-là, terminé, il faut qu'on prenne les dispositions. Elle l'a fait à travers une mesure extrêmement simple, mais qui demande beaucoup de suivi, c'est l'interdiction de stade. Elle a tout simplement décrété qu'un certain nombre de personnes n'iraient plus au stade, y compris pour le restant de leur vie. Mmh. Il y a des interdictions de stade en Angleterre à vie. Bon, il y a environ 2-3 000 interdictions de stade, dans le rapport qu'on a fait, actuellement en Angleterre. En France, il y en a 100. Alors, on a essayé, sur le plan législatif, on a importé cette mesure dans le droit français, elle existe, mais on voit que ça ne fonctionne pas bien. Oui, mais alors là, pour ce cas précis, comment ça va se passer? Parce que on a quand même des gars qui ont amené une banderole, pas facile quand même, dans un stade. Ils l'ont déployé, on a le temps de les voir. Pour ce cas précis, le sentiment que j'ai, c'est que je pense
que c'est une action organisée. Organisée. Bien sûr. C'est pas une action spontanée, c'est pas une action isolée, c'est une action organisée qui suppose un certain nombre de complicités et même de complicités avec des associations de supporters. Avec des associations de supporters. Parce que j'ai vu, la banderole, elle est sur une autre banderole, hein. Mmh. Elle recouvre une autre banderole. Mmh. Tout le monde l'a vu. Bon. Mmh. Donc, là, il y a quand même, effectivement, il va y avoir une instruction judiciaire, c'est très bien, qui mettra en cause les responsabilités individuelles. Il y a aussi des responsabilités, excusez-moi, collectives, qu'il faudra aussi établir. Mmh. Il y a une mesure, moi je demande qu'elle soit prise, enfin qu'elle soit évaluée, qu'elle soit mise en œuvre, c'est la dissolution d'associations, de clubs de supporters. C'est dans la loi. C'était M. Guazian qui l'avait proposé. Bon, eh bien, qu'on regarde, il y a une commission qui est chargée d'examiner les choses et de faire des propositions au ministre, qu'on regarde s'il y a eu, dans cette affaire-là, complicité de certaines associations de clubs de supporters, et s'il y a eu complicité, eh bien, qu'on prenne cette mesure de dissolution. Voilà. Qu'il y ait des sanctions aussi, qui s'appliquent, je sais que la Ligue le fera, par rapport aux clubs éventuels. Il faut maintenant que chacun, dans sa responsabilité, frapper plus dur. Oui, mais fasse le travail qu'il a à faire, éventuellement de sanctionner quand il faut sanctionner. Mmh. Et si effectivement il faut arrêter les matchs, on arrête les matchs. Nous sommes avec Béatrice Descamps, sénatrice UMP du Nord. Bonsoir, Béatrice Descamps. Bonsoir. Alors, j'ai vu qu'il y avait certains habitants du Nord qui commençaient à porter plainte individuellement. Est-ce que vous les encouragez à le faire? Ah oui, bien sûr, parce qu'on a vraiment été tous très indignés par ce comportement. C'est pas d'humiliation, parce qu'on n'est pas humilié par des gens qui sont plus faibles que soi, donc on se sent pas vraiment humilié, mais on est vraiment indigné, en colère, quoi. Donc il faut réagir, et dans le Nord-Pas-de-Calais, on sera solidaires pour défendre la cause de ceux qui ont été vraiment humiliés. Vous pensez que c'est une vengeance, puisque le Nord en ce moment est en pleine réhabilitation, avec Bienvenue chez les Ch'tis, justement, là ça tombe au moment où on commence à se dire et à vanter toutes les vertus du Nord? Oui, l'image du Nord a toujours été un peu négative, hein. Alors c'est sûr qu'il y a un peu plus de chômage qu'ailleurs, mais bon, l'affaire d'Outreau, ça peut se passer ailleurs que dans le Nord aussi. Bon, c'est vrai que le film de Danny Boone nous avait fait un peu plaisir. Est-ce que c'est de la jalousie? C'est plus de la méchanceté, de la bêtise, je pense, que de la jalousie. Vous avez entendu Christophe Caresche qui veut que les instances prennent leurs responsabilités et qu'on tape un petit peu plus fort, justement, dans ces cas, on va dire, extrêmes. Est-ce que là-dessus, les élus de gauche et de droite se rassemblent complètement? Ah ben là, tout à fait, là, oui, là, bien sûr, qu'on sera tous derrière le ministre, j'espère, Monsieur Laporte, qui nous a promis des sanctions exemplaires, à la fois pénales et sportives, parce qu'on peut pas laisser faire ça. Et ce qui m'étonne aussi, c'est le silence. Le média le plus lu dans le Nord, c'est bien La Voix du Nord. On a pu retourner La Voix du Nord de dimanche dans tous les sens. Il n'y avait aucun article. Alors pourquoi ce malaise? Pourquoi les journalistes du Nord n'ont pas défendu les gens du Nord? Ça me... Il n'y avait même pas besoin de défendre, c'était surtout crier à la bêtise des autres. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. Il y a une question, je voudrais, pour terminer par ça, parce que c'est au départ c'était ça que je voulais amener. À l'intérieur du football, il se trouve que ce samedi soir, où il y a eu le match de la Coupe de la Ligue qui, entre parenthèses, a été donné à Paris sur une injustice de jeu flagrante, que 2 heures plus tôt, il s'est passé exactement la même chose à Bordeaux, qui a gagné le match sur une injustice d'arbitrage flagrante aussi. Est-ce que... Parce que on commence à dire que nos arbitres français sont pas bons. Est-ce que justement le football et notre arbitrage, il est devenu tellement pas bon, ou ça va tellement trop vite, que il n'a pas en lui-même justement tous les ingrédients qui génèrent ça dans les tribunes? Est-ce que le racisme, ça vient pas de l'injustice qui est déjà produite sur le terrain, entre autres par les arbitres? Tout le monde, il y a un problème de l'arbitrage en France. On le sait, on n'a pas d'arbitre à l'Euro 2008, donc c'est quand même un constat d'échec. Il faut en tirer les conclusions. Moi, je suis plus aux affaires, donc je suis en dehors, je peux parler librement. L'image de l'arbitrage n'est pas bonne, elle est liée à, bon, il y a autant de courants qu'au Parti Socialiste, excusez-moi, chez les arbitres. Et entre les courants, c'est la guerre. Il y a eu des problèmes extrasportifs, enfin, des affaires extrasportives qui n'ont jamais été réglées. Et puis, il y a un problème de coaching des arbitres. Et en plus, suite à ça, bon, il n'y a pas de vidéo. On est tout seul. Enfin, ça, c'est, on est bon, le seul sport. Le football, c'est le seul sport. Regardez puis... le rugby, tout se passe bien. On dit les familles vont, les enfants. Et on se dit pas à un moment donné, mais au fait, le foot, on est les seuls à pas utiliser la vidéo. Bien sûr. Il faut vivre avec son temps. Mais Michel Platini et Sepp Blatter sont des conservateurs. Ils ne veulent pas de vidéo. Donc, il n'y en aura pas tant qu'ils seront au pouvoir. Mais vous parlez de vidéo. La finale de la Coupe de la Ligue.
vous mettez 10 personnes face à l'image du penalty. Vous en avez 5 qui vont dire qu'il y a faute, oui. Et 5 qui vont dire qu'il n'y a pas faute. Sauf que cette vidéo ne va pas résoudre tous les problèmes. Ça pourra aider certaines erreurs, le problème de franchissement de ligne, un but entaché d'une faute ou pas. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui revoir la gestion de l'arbitrage français. On est dans le mur, il faut sortir l'arbitrage français de l'impasse dans laquelle il se trouve aujourd'hui. J'aimerais bien avoir la vie de Christophe Kahn, même si c'est pas son rayon de... Mais c'est vrai, vous aimez bien le foot, donc vous savez, que c'est un vrai problème, le fait qu'on puisse pas se dire, tiens, l'arbitre a raison, et quand il sait pas, ben il regarde la vidéo. C'est un vrai problème. Bien sûr. Moi, c'est vrai que j'ai constaté au PSG, c'est clair, que les actes commis par les supporters sont souvent très très liés à la situation du club, quoi. Ouais, savoir s'ils gagnent ou pas. Saison, ce qui est quand même le cas cette année. Maintenant, je vais vous dire, je crois qu'il y a un système. Moi, je vais vous dire, il y a un système qui s'est mis en place. Il y a une relation entre certains supporters qui, faut aussi le savoir, recourent à l'intimidation, sont extrêmement violents, font du chantage sur les clubs. Faut savoir comment ça se passe. C'est qu'il y a un système qui est en place, je pense, dans certains clubs, et qui est d'une perversité extrême, et qui fait que tout le monde, un certain nombre de gens, sont tenus par ces supporters violents, racistes, et que ce n'est pas un phénomène qui est extérieur au club. Mmh. C'est quelque chose qui, malheureusement, est souvent dans les clubs. Voilà. Et très ça, bien. C'est très grave. On va les arrêter, à votre avis, ceux qui ont les moyens? Je ne sais rien, mais il faudrait évidemment que la justice puisse le faire. Mais va tomber en panne comme à Furiani. Ben, j'espère. Le match, là, il y a une surveillance. On va pouvoir s'en sortir. Donc, merci beaucoup, messieurs. J'espère qu'on verra des parties de foot qui se déroulent normalement. On va maintenant parler de l'Arche de Zoé. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui avec plusieurs des membres de l'Arche de Zoé qui ont été libérés en fin d'après-midi et ce soir, notamment. Oui, ils sont libres ce soir, les membres de l'Arche de Zoé, parmi eux Éric Brotteau et Émilie Lelouch, qui ont franchi il y a quelques minutes à peine les grilles de la prison de Fresnes. L'affaire est-elle close pour autant? Élément de réponse avec Françoise Davido, elle est avocate du médecin de l'Arche de Zoé. Bonsoir Françoise Davido, et alors ce médecin qui est Philippe Van Winkelberg a déclaré en sortant « Je vais pouvoir dire ma vérité et je le ferai ». C'est quoi sa vérité? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Bah écoutez, sa vérité, ça va être la réalité des faits, tout ce qui n'a pas été dit, parce qu'en fait rien n'a été dit. Donc son rôle de médecin essentiellement, son absence totale de culpabilité, les implications et les responsabilités de tiers à différents niveaux. Quand vous voulez absence totale de culpabilité, il était moins coupable que les autres? Ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'en réalité vous avez quand même affaire à six personnes qui sont avant tout des humanitaires, avec chacun leur motivation, mais je pense que chez aucun d'entre eux on ne pourra trouver une intention délictuelle quelle qu'elle soit. Ça fait combien de temps que vous savez que ça va bien se terminer, qu'ils vont être graciés? Bah écoutez, on espérait depuis quelques semaines quand même, mais enfin on nous opposait un silence douloureux à toutes nos demandes. Et en fait, on est nettement plus rassurés depuis trois jours, et à vrai dire tout à fait rassurés depuis ce matin, puisque on a subi suffisamment d'aléas et d'allers-retours dans cette affaire pour être extrêmement prudents. Là, ils sont dehors, c'est parfait. C'est une libération collective, pourtant on a l'impression qu'il n'y a pas tout à fait le même degré d'implication quand même. Dans cette affaire. Bah, ce qui est certain, c'est que, degré d'implication ou pas, aucun d'entre eux ne méritait d'être détenu, quoi qu'il arrive, et encore moins pour une peine, pour une durée de 8 années. Donc, je pense que chacun, encore une fois, a ses motivations, ses explications, ses motifs, et qu'on ne verra dans aucun d'entre eux, à mon sens, je vous le disais, une intention délictuelle ou criminelle. Il est bien qu'on en arrive là, vraiment. La grâce, elle ne pouvait être que collective, individuellement, ça aurait été plus compliqué? Elle est de toutes les façons individuelle, puisque ce sont des individus qui ont été condamnés. C'était tout le monde ou personne?
Vous savez, on est dans la grâce. C'est un droit qui appartient à un président, un être humain, et qui aurait pu faire autrement, comme il aurait pu ne pas le faire. Donc il a choisi, je pense, un retour à la raison et je dirais avec le recul et la façon dont les choses se passent et peut-être aussi ce qu'on a pu savoir depuis les faits eux-mêmes, un retour à une forme de justice et on peut que s'en féliciter. Je ne suis pas dans l'esprit du président Déby. Alors ça bloquait entre autres sur l'indemnisation, c'est 6 millions d'euros, qui va la payer finalement maintenant cette Alors d'abord, bon, ces 6 millions d'euros sont tout aussi exorbitants que les 8 années d'emprisonnement qui avaient été prononcées. C'est une condamnation pécuniaire totalement hors norme. Là aussi, il va y avoir une grâce, non? Là, c'est impossible, c'est juridiquement impossible. Alors qui va payer? Écoutez, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, aucune demande n'a été dirigée contre les condamnés graciés de l'Arche de Zoé. Est-ce qu'il va y avoir des accords? Est-ce qu'il va y avoir d'autres formes d'aide? Je n'en sais rien. Alors, les accusés ont été graciés par le Tchad, libérés par la France. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement, la procédure, elle est toujours en cours en France maintenant. C'est-à-dire que la procédure en France n'est qu'une procédure de commutation, de traduction de la condamnation tchadienne. Bon, dès lors que la condamnation tchadienne disparaît par le jeu de la grâce, il n'y a plus de support aux condamnations françaises. Donc on est convoqué devant la cour d'appel le 14 avril prochain, qui était l'appel que nous avions formé à l'encontre de la décision de Créteil. Soit la cour d'appel va encore une fois, comme elle l'a fait, donc commuter la grâce tchadienne en grâce française, soit cette audience n'a pas d'objet. Enfin, je crois qu'on a quelques jours pour réfléchir à l'objet de cette prochaine audience. Et ça peut repartir, ce procès, même individuellement? C'est-à-dire qu'il y a un volet, alors pas le procès tchadien, mais il y a un volet français, où effectivement il va y avoir une instruction, mais là encore on s'en réjouit, puisque ce sera l'occasion de s'expliquer, de dire sa vérité, et réellement de rappeler un certain nombre de faits qu'on a occultés, comme par exemple l'armée française, enfin les avions français qui ont quand même transporté toute l'équipe sur place, par exemple. Comme je le dis, ce ne sont pas des gens qui sont partis avec de mauvaises intentions dans une de chaux qu'un sac à dos. Quand même une opération qui était prévue de longue date, qui était connue, pour laquelle ils avaient reçu différents conseils, et les élus étaient prévenus. En ce qui concerne le docteur Van Winkelberg, un remplaçant était prévu à son cabinet. Il n'y avait rien de, a priori, de suspect dans la démarche initiale. À propos de votre client, donc, il va pouvoir retravailler, et quand? Écoutez, je pense que son souhait, ce serait de travailler dès demain. Voilà. D'accord. Peut-être pas demain, mais bon, il va pouvoir reprendre toutes ses activités. Il est très attendu, il a un rôle très important à l'hôpital, il a un rôle très important avec les sapeurs-pompiers. Et puis dans son village, c'est le médecin du village et de sa région. Donc il y a un travail fou qui l'attend. Vous l'avez eu enfin ce soir, après sa libération, qu'est-ce qu'il vous a dit? Écoutez, c'était évidemment de la joie, une joie comme il est, c'est-à-dire retenu, c'est beaucoup de classe, je dirais, et puis une pensée pour demain, et puis aussi la volonté, encore une fois, de dire la vérité. Normalement, votre travail à 90%, il est terminé, là? Non. Non? Non, parce que le plus important pour lui, c'est certainement d'être réhabilité, de ne pas être condamné en France et de pouvoir s'expliquer. Très bien, merci beaucoup Françoise Davidot. Merci bien, on va maintenant revenir sur la une des journaux de demain. J'aperçois Saveria Roget qui va vous expliquer tout cela.
Voilà, on commence avec Libération qui revient sur la décision de Nicolas Sarkozy d'envoyer 1000 hommes supplémentaires en Afghanistan. Le Parlement débat demain alors que l'opposition réclame un vote. L'Afghanistan, le front oublié, à la une de la Croix également. Comment passer de la guerre à la paix? Une question qui s'est aussi posée en Côte d'Ivoire et au Kosovo. À la une des Échos, la vodka Absolut qui devient française. Et c'est Pernod Ricard qui fait le pari de cette acquisition géante de plus de 5,5 milliards d'euros. Les Échos qui fêtent leur centenaire demain reviennent également sur l'inflation en Europe à son plus haut niveau depuis la création de l'euro. Et on termine avec Ouest-France. Ouest-France qui revient sur la libération des membres de l'Arche de Zoé avec cette photo de Dominique Aubry à sa sortie de la prison de Caen. Émilie Aubry et Éric Breteau viennent également d'être libérés. Seule l'infirmière Nadia Merimi est encore détenue à l'hôpital de Villejuif. Et bien on va continuer à parler de la presse maintenant avec notre dernier coup de fil. Roberto Alvarez, directeur de la rédaction de François, est au téléphone. Bonsoir Roberto. Bonsoir. Bonsoir. Alors une nouvelle maquette pour François, c'est un pari ambitieux pour relancer une nouvelle fois, on allait dire, ce mythique titre de la presse française. C'est ce qu'elle aura de plus de différent, cette maquette? Ben écoutez, c'est toujours un grand pari, c'est toujours ambitieux avec François, parce que c'est effectivement, comme j'ai écrit aujourd'hui d'ailleurs, un titre entre guillemets lourd à porter, parce qu'on connaît l'héritage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, mais on est revenu à des principes un peu et à des valeurs éditoriales dans l'enquête, le reportage et aussi dans sa formule en réadaptant le logo historique. L'esprit Pierre Lazareff, ça existe toujours? Ben, j'espère en tout cas qu'il existe parmi les journalistes et pas seulement à François. Hein. Mais je pense que cet esprit justement d'investigation, d'enquête, etc., c'est un petit peu perdu malheureusement. On dit toujours qu'il est un peu d'origine anglo-saxonne maintenant, et j'aimerais bien de temps en temps qu'on retrouve ça dans nos rangs. Que les journaux ne soient pas des spectateurs, mais sortent des infos aussi, ça veut dire que vous allez essayer de vous battre pour avoir plus de scoops? Ah ben, moi je suis prêt à me battre tous les jours et avoir des scoops sans arrêt. Il y a des gens, en tout cas dans la rédaction, il y a des journalistes qui ont vraiment envie de ça, et on est prêt, on a envie de se battre, on a envie de défendre ce titre. Comment ça va les ventes? Parce que c'est vrai qu'on se faisait tous un petit peu de soucis pour vous il y a quelques mois. Est-ce que ça se redresse? Ben écoutez, depuis l'arrivée de Jean-Pierre Brunois, le président, l'année dernière, et pour vous donner des chiffres officiels, il y a une augmentation d'environ 17%, je crois, un peu des ventes. Et maintenant, on a mis la deuxième pierre à l'édifice, et puis on espère que ce retour, comme je l'ai écrit aujourd'hui, au chromosome Lazareff et à nos racines, nous permette un peu d'aller un peu plus de l'avant. La une de demain, on l'a pas eue, c'est quoi? La une de demain, alors on revient sur les retraites, hein, c'est-à-dire on a titré sur toujours gagner plus, enfin travailler plus pour gagner moins, excusez-moi. Et il y a aussi une note confidentielle à l'époque du gouvernement Balladur sur France Télévisions, où il y a certains journalistes qui l'aimaient un peu moins que les autres. Voilà. Ah d'accord. Ce seront les deux titres de une. Très bien, merci beaucoup. J'espère que, puisque vous travaillez plus, vous vendrez plus également. Merci bien. On va maintenant remercier tous ceux qui travaillent sur cette émission que je n'ai pas eu le temps d'associer lors de la 500e jeudi dernier. Évidemment, toute l'équipe technique a fait un travail remarquable pour rénover cette émission. La musique que vous entendez de Fred Blond, guitariste émérite, compositeur entre autres pour Johnny Hallyday et Patricia Cass. Fabien Roy était notre réalisateur ce soir. Pierre-Henri Gergonne, on ne le présente plus, il a fait un triomphe avec la voix off et la présentation de tous les débats ce soir. Et puis Oriane Mancini, Jean-Baptiste Daoulas et Élise Buridard qui m'ont préparé tous ces dossiers. Parlons Blog tout de suite, Caroline Deschamps. Au revoir, à demain.